cha-cha, télé, cha-cha. Comme achava, croucha, croucha. Comme chi, comme cha, lola, lola. Yeah, yeah, ha-cha, yeah, yeah, ha-cha. Salut. Aujourd'hui, Barney 33, c'est la Saint-Nœud dans les mouchoirs. Bonne fête à tous les nœuds dans les mouchoirs. Bonne fête à tous les nœuds dans les mouchoirs, qui sont si pratiques pour se rappeler des choses. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ceux-là, Groucha? Eh bien, le premier, c'est pour que je me souvienne d'aller faire des photos d'identité après l'émission. Et l'autre, je me rappelle que je devais me rappeler de quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. J'ai un trou de mémoire. Il n'y a qu'à demander au gluon du trou. Il est spécialiste en trous. C'était quoi encore? Vous êtes là, gluon du trou? Où voulez-vous que je sois, quoi? Vous sauriez pas à quoi se rapporte le deuxième nœud du mouchoir de Groucha? Il a un trou de mémoire. Évidemment que je le sais, quoi. Tous les trous communiquent, quoi. Il a quelque chose d'important à vous dire, quoi. C'est ça qu'il fallait pas qu'il oublie, quoi. Merci, gluon du trou. Il paraît que vous avez quelque chose d'important à me dire. Mais évidemment, c'est ça! Eh ben, allez-y! Pas maintenant, plus tard. C'est l'heure d'un nouveau numéro de la série Portrait. Aujourd'hui, un grand photographe. Elles ont pris des milliers de clichés qui sont parus dans tous les journaux et tous les magazines du monde. Elles ont tout photographié en gros plan, que ce soit rose et joli ou noir et moche. Elles ont pas froid aux yeux. Plus on des lunettes. Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent vous étonner? Tout, parce que j'ai su garder un œil neuf. Clic-clac, c'est pas encore arrivé que c'est déjà dans la boîte. Qu'est-ce qu'il a dû en voir? Quelles sont les photos dont vous êtes le plus fier? Ah, c'est celle de la bretelle de maillot de bain qui a craqué en pleine piscine olympique. Un moment historique. Et puis celle de l'œuf dur mayonnaise qui s'était retourné sur le nouveau pantalon du vieux président. Oui, je me souviens. Un désastre. Et n'est-ce pas également vous qui avez pris cet instantané célèbre de la chemise de nuit royale séchant à la fenêtre du palais? Si, si. J'ai dû rester planqué 3 jours. Il n'arrêtait pas de pleuvoir. Mais j'ai fini par y arriver au téléobjectif, à la première éclaircie. La photo, c'est un travail d'équipe. L'appareil et l'œil ont beaucoup d'importance. Pas du tout. Les appareils, c'est tous les mêmes maintenant. Ni meilleur, ni pire. Mais le regard qui se trouve derrière vous et le doigt qui déclenche à côté de vous, ils ont leur mot à dire. Pensez-vous, si le type qui me porte ne m'avait pas, tout serait flou. Il trouverait même pas le bouton où pousser. J'en ai marre de ces lunettes. Je me paie des verres de contact, là. Oh là là, quelle violence dans la presse! On file! T'as raison, Micmac, il vaut mieux ne pas insister. À vous, les studios. Il se passe des choses étranges dans le ciel. Des témoignages de plus en plus troublants nous parviennent. Bien qu'avec ce genre de phénomène, il faille rester très prudent, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce document envoyé par une caméra Super 8 amateur. La caméra prétend avoir filmé en plein jour ce qu'elle appelle un serpent de ciel. Effectivement, on peut reconnaître des écailles, mais on ne voit pas la tête. Il ne s'agit manifestement pas d'un avion ni d'un gros oiseau. Mais il pourrait s'agir de la trace laissée par un réacteur mal nettoyé. Le serpent de ciel, c'est comme le serpent de mer. Ah bon? C'est la même bête? Oui, il faut être bête pour y croire. On s'en sert pour meubler le journal chaque fois que l'actualité est un peu pauvre. Je ne comprends pas comment vous avez pu passer ça. Ben justement, l'actualité, elle n'était pas tellement riche aujourd'hui. Alors je me suis dit, passez ça ou autre chose. Vous avez très bien fait. Salut, à demain, si on veut bien. Salut, salut, à Téléchat. Salut, Groucha, salut, Lola. Salut, les chats et les chouachos. Yeah, atcha, yeah, atcha. Atcha. Ferme le rideau, ça me gêne que tu me regardes quand je pose. Tu n'es pas si timide devant les caméras. Ici, c'est privé. Bon, de toute façon, je verrai les photos. D'ailleurs, je me demande pourquoi tu en as tellement besoin tout à coup. C'est pour mon passeport. Je suis officiellement invité à l'île de la Mouche pour un grand reportage. Félicitations. Et le second nœud dans le mouchoir, qu'est-ce que tu avais de si important à me dire? C'est que, malheureusement, toi, tu n'es pas invité. Ah, voilà les photos! Elles sont moches!